Wesh les mecs, c'est Srambad. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je suis vraiment trop content de vous retrouver parce que je vais enfin pouvoir rejouer aux jeux vidéo car j'ai un nouveau PC, un nouvel écran, un nouveau clavier, une nouvelle manette. Et dans cette vidéo, on va tout ouvrir, on va tout bien mettre. Je vais présenter chaque article et il y aura aussi un peu de moments déco, mais ça sera demain. Aujourd'hui, on s'attaque à ouvrir les colis, donc on va commencer directement par... Je sais pas. Le sabre, frérot. Voilà les mecs, j'ai acheté un sabre. Le Coran. Je sais pas pourquoi. En fait, je suis parti à Lille. Je suis sorti de la gare. Et avant d'aller chez moi, j'ai fait un petit tour dans un magasin de figurines. Et je sais pas, j'ai vu un sabre. Je me suis dit, il me le faut. Bienvenue dans les anecdotes de Srambad. Mais le pire, c'est que je me suis baladé avec ça dans tout Paris et tout. C'était les anecdotes de Srambad. Nope. J'ai pas envie de le casser. Attends. Allez, vas-y, dégage. Wesh, c'est quoi ça? Bah attends, viens. Wow. Tu peux planter quelqu'un comme ça avec Roger, je peux t'assassiner. Ça, c'est un élément de déco, les frères. En ce moment, je suis à fond dans la déco. Je vous mens pas. Ah, les gars, je suis désolé. Mon lit est en bordel, c'est parce que je vais bien tout refaire après. Ça, c'est le socle, t'as vu? On pourra directement le mettre dans le décor. Moi, j'avais pensé à le mettre au-dessus. En mode sabre médiéval, t'as vu? Ah ça fait, moi j'enlèverais même le cache mais bon. Le cache? Ouais je pense comme ça on voit la lame genre tu captes. En mode tu l'ouvres et tu laisses le sable poser dessus tu captes. La lame noire et tout elle est incinérée. Kama si tu veux dire. Ouais. Mais je sais pas s'il va tenir. T'as vu il va être bancal un peu. Ah ouais. Quoique. Quoique. Bon bref on verra après, c'est pas grave. En ce moment je suis à fond dans la déco. On va ouvrir rapidement les colis. Je vais pas citer le nom des produits en question. Par exemple sur la config de mon PC, je vais pas dire chaque truc et tout. Ça va s'afficher à l'écran. Second colis, vas-y je prends lui. Je sais pas c'est quoi. En fait je vous explique, j'ai tout commandé il y a un mois. Et vu que j'ai eu des problèmes de livraison concernant mon PC et tout, bah j'ai tout oublié ce que j'ai acheté. Du coup là on ouvre des trucs au hasard. Wesh, ah c'est de la déco ça. Ah y a des LED aussi. Niveau déco en vrai, on va passer après. En ce moment je suis à fond dans la déco. Le plus important là c'est d'ouvrir des trucs genre écran et tout. Donc vas-y on va pas faire le gamin, on va ouvrir le PC hein. Le monstre. Putain. J'ai hâte. Oh c'est un PC, il a été fait uniquement pour Fortnite. Il a été monté par Anga. Normalement il y a sa vidéo qui va s'afficher. Donc vous pourrez voir comment il a fait pour monter mon PC. C'est une vidéo où il monte mon PC, il me l'optimise et tout. Donc pour ceux qui cherchent quelqu'un qui fait des optimisations pour que vos performances sur les jeux s'améliorent, n'hésitez pas à aller follow Anga. Un grand merci à lui, c'est le frérot. Attends, bien évidemment les playlights de chez Elgato. En manière forte. J'ai enfin un ordinateur. Eh hey, les gars, ça date, j'ai pas joué à Fortnite. J'avais un PC, mais quand j'ai voulu rejouer, j'ai plus eu de PC. Donc là, j'étais enfin. Je vais rejouer à Fortnite comme avant, comme vous m'avez connu. Je suis le pire ouvreur de colis. Hein. Heureusement qu'il y a le montage. Hein. Bon, les gars, je sais plus. C'est quoi les composants? Apparemment, selon Anga, pour Fortnite, c'est le meilleur PC du moment. Vraiment, il n'y a pas mieux. Après, je connais pas tous les composants, mais comme je vous ai dit, ça va s'afficher. Et comment on ouvre ça? T'appuies deux fois dessus. Nope, c'est nope. Un code secret. Nope. Mytho. Putain, il me l'a monté, il me l'a optimisé. Ça veut dire, les gars, j'ai juste à lancer l'ordinateur et lancer Fortnite. J'ai rien à faire. Même mes settings, normalement, je crois qu'il a fait. Mais mes settings pour lancer un live et tout, il m'a tout réglé. Franchement, c'est un bon. C'est le frérot. Si je pouvais l'aider, je le ferais. Je pense que pour l'aider, faut juste s'abonner à lui. Donc, il y a ses réseaux qui vont être affichés à la vidéo. Parce qu'il m'a pas demandé un seul euro pour ça. Hein. Il m'a pas demandé un euro. Il a fait de bon cœur. Je suis parti jusqu'à Paris le chercher et tout. Oh, les joueurs de Fortnite. J'ai acheté une manette. Je sais même plus à quoi elle ressemble. Là, elle est pas cassée. Elle est toute neuve. Voilà, je sais plus c'est quoi la couleur de la manette. Ouais. C'est quoi la mif? Ouvre la manette, elle est ouais ou quoi? Voilà, j'ai oublié la couleur. Ah, j'ai pris une jaune basique. Ça va, tranquille. Oh les gars, grip, palette ultra réactive, digital trigger. Donc c'est la vitesse d'un clic de souris. Vous connaissez, je présente plus. Bref, objet suivant. Bien le setup général. Qu'est-ce que vous en pensez? Carasse de PC. Bon, ça c'est basique les gars, ça c'est un iPad. Alors je vous explique, avant je jouais avec deux écrans et tout. Mais vous connaissez, à ce qui paraît, je jouais avec 2-3 écrans, ça réduit les performances. Donc à la place d'un deuxième écran, je vais prendre un iPad. Comme ça aussi, si j'ai besoin de sortir, bam, je le glisse dans la sacoche. Ou si je vais dans mon lit, j'ai envie de regarder un truc. Mais c'est essentiellement pour le chat en vrai. On va s'ouvrir. Le
Coran, wallah c'est trop fragile. Bienvenue dans les anecdotes de Sramebad. Une fois j'en ai acheté une, elle avait les digital triggers. J'ai fait, il y a mon manette, je l'ai déballé, j'ai pris un snap, je suis parti comme ça, je l'ai fait tomber, j'ai jamais joué avec la manette. C'était les anecdotes de Sramebad. Donc celle-là, pour le moment. Oh il est tasco, si tu regardes la vidéo, regarde ta manette. La fin d'un sacré. Là c'est moment satisfaction là. C'est pas rond. Wesh, c'est un guet-apens, vas-y. La satisfaction, frère, voilà. Oh les gars, j'ai acheté un iPad, comme je vous ai dit, ils m'ont offert des AirPods avec. Mais voilà, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, donc je vais pas les ouvrir. Quoi, ça veut dire que c'est un concours, ça? Bah, vous avez juste à me suivre sur un de mes réseaux. Je dirais pas c'est sur lequel, mais il y aura un concours bientôt. Peut-être c'est sur Snap, hein. Snap, je parle jamais de Snap. Bref, en gros, les gars, j'ai acheté un clavier, ça s'appelle Duki One. Et c'est le genre de clavier que je peux personnaliser au max et tout. Du coup, les gars, le clavier, c'est ça. Ah, il est même pas en QWERTY. Ah, bah, bénef. Du coup, je l'ai acheté, c'est un sans fil. Ils doivent se foutre de ma gueule, les gens. Peut-être que eux, ils ouvrent d'une manière super délicate, ils prennent leur temps, tout ça. Wesh, lui, c'est Charles. Important de ranger délicatement histoire de pas tout faire tomber parce qu'après on va perdre du temps on a un petit logo tu vois qu'on est matrixé. Tu connais fleur de cerisier Black Ops 2, c'est la touche effacée Naruto. Et ça, bon, je vais pas tout vous les montrer, mais c'est un peu version japonaise, hein. Ça tue. Bref, passons à la suite. Normalement de souvenir c'est Son Goku. Normalement. Et ouais, c'est lui. Ça, je vais les mettre pour sûr. Parce que je suis un gamin. J'ai deux ans d'âge mental. Oh, fait le bête, hein. Le truc, c'est un bout de viande. Pourquoi il est grand, cet écran? Ça, c'est mon écran, les gars. Ah non, j'aime pas les écrans en puzzle. Ouais, j'ai la mastoff, l'écran. Ah, je me bagarre toujours avec les cartons, moi. L'écran, on va le monter en vif. Nope. 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 Je suis nul en puzzle. Day 2. Day 3. T'es sûr il manque pas un bonhomme? Day 4. Des indices là. Pourquoi il se complique la vie? Pourquoi il nous livre pas directement l'écran genre... Mon frère, comment on fait? Bien évidemment j'ai réussi. Sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. La gueule de l'écran. Oh voilà, jamais un écran barré. Il est mignon. Oh les gars, obligatoire. Oh les streamers là, ceux qui se lancent dans le stream. Fond vert et le gâteau green screen. Regarde le pouvoir du fond vert. Je me mets là, je fais ça, je change de scène. Je fais ça, je change de scène. Je fais ça, je rechange de scène. Bref, vous avez compris. Les fonds verts, si vous en cherchez un, et le gâteau, c'est la meilleure marque. Et on va switcher directement sur leur micro. Meilleur micro USB. Moi, vous m'avez toujours connu sur Fortnite avec des casques et un petit micro qui pend là et tout. C'est parce que juste, je m'y connaissais pas. Et maintenant que j'ai ce micro, honnêtement, je changerai plus. Les gars, HD 60 Pro. Ouais, je l'ai bien dit, hein. De chez Elgaton, encore une fois, pour stream avec une qualité optimale. Ça, c'est mon truc préféré. La vie de ma mère. Oh, les gars, Stream Deck XL. Alors, le Stream Deck, c'est quoi? C'est super utile pour les streamers. Pour passer d'une scène à l'autre, t'as juste à appuyer sur un bouton. Tu mets une pub, tu mets un bouton. Tu vas aller sur YouTube, tu peux programmer un bouton. Stream Deck XL de chez Elgaton. Il y a des petites taille aussi. Souris, ma caméra pour faire mes vidéos et mes streams. Regardez, la chambre, elle était un bordel. Avant de lancer la caméra, je vous jure, j'ai passé l'aspi, j'ai pris une douche, j'ai refait ma coupe. Là, je suis en sueur, les mecs. On va tout ranger. Demain, je vais prendre les objets manquants. On va tout bien brancher. Tac, et vous aurez des plans de malade avec toutes les descriptions si jamais vous souhaitez vous procurer un truc. Et vas-y, les mecs, à demain. Enfin, à tout de suite, du coup. Wesh les gars, alors voilà, on se retrouve dans mon nouveau setup. On a rangé toute la chambre. Maintenant, on va passer vite fait sur chaque élément qu'on a acheté. Donc, je le rappelle, l'iPad. C'est l'iPad, ça c'est en guise de... C'est Kemli, il m'appelle, je sais pas pourquoi il m'appelle, je suis occupé Kemli. Imaginons que je suis en live Twitch, le chat il sera ici. Ou comme j'ai dit, si je vais me caler dans mon lit, je me match une série, Dragon Ball, Naruto, peu importe. Mais c'est plus pour le stream, ça sera pour rien d'autre. Et je voulais pas de deuxième écran parce que apparemment ça ralentit les perfs. Et sur Fortnite j'ai envie de devenir le... pas le meilleur parce que c'est trop tard, mais j'ai envie de devenir fort comme avant. Le petit shaker My Protein, dédicace à eux, il est tout neuf. J'ai l'ai reçu aujourd'hui. Les deux K-Light de chez Elgato pour l'éclairage. N'oubliez pas que si vous avez une K-Light, vous pouvez gérer la luminosité. Genre la mettre à balle ou au niveau le plus faible. L'écran,
Alienware. Je connais pas exactement les capacités de l'écran, tout, je sais que c'est un 240 Hz. Alors microwave de chez Elgato, là bouton mute, là t'arrives à régler tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce micro puisqu'il y a une application. Mais moi j'ai pas encore géré vu que j'ai pas eu trop le temps, mais je compte le faire. Maintenant, vu que j'ai ce genre de micro, je peux me permettre de prendre des casques un peu plus isolants. Vous voyez, il n'y a plus la corde avec le micro et je trouve que ça c'est un bon plus. Je l'ai jamais essayé, mais j'en avais un, c'était un 770, là c'est un 880. Donc j'imagine que la qualité elle est encore plus haute. Là on est sur le Stream Deck de chez Elgato. Elgato super récurrent hein, sur les objets du setup, mais après en même temps, je vais être honnête avec vous, niveau matériel de streaming de vidéo, il n'y a pas mieux. Donc le Stream Deck super super utile pour la reprise de live. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Le petit tapis de souris de Corsair, voilà, RGB, il y a de la couleur, on est content. La petite souris, elle est sans fil, elle est sans fil, mais bon, là je dois la charger. Le Focusrite, c'est une carte son. Je règle plus le son depuis mon ordinateur. En gros, je peux le réguler comme ça, je pense. Après, je sais pas à quoi ça sert ça. Faut que je demande à Walid parce que Walid c'est un pro du streaming, il a l'habitude. Et la caméra, c'est celle-ci. Bon, ça c'est la caméra de la Villa Elgato. On peut l'emprunter si on a besoin de tourner une vidéo ou un stream, on a le droit. Mais moi, j'ai ma petite caméra pour les vlogs. Là maintenant, on va passer à ce que vous attendez le plus en vrai de vrai, le PC. Il y aura une infobulle qui va s'afficher avec toute la config. C'est un PC fait pour Fortnite. Et je pense que c'est le meilleur en vrai. Moi, un gars, il m'a dit que c'était le meilleur. Je lui ai dit, écoute frérot, j'ai un budget. Mets-moi le meilleur PC pour jouer à Fortnite. Il a optimisé chez lui. Je suis parti chez lui le récupérer, il me l'a optimisé. Donc là, j'ai juste à allumer Fortnite pour faire des dingueries. Vraiment, j'ai trop hâte. Bon les gars, on passe à la manette. Avec, je le rappelle, les palettes ultra réactives, le grip anti-sueur, les gâchettes ultra réactives pour construire comme un malade mental. Les joysticks, OKLM, petite couleur jaune. Le petit HD60 Pro de chez Elgato pour rec avec une qualité optimale. Bon ça je l'ai pas encore branché parce que je vous mens pas, je suis nul en branchement. Donc je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît. Et ça c'est le câble Blink. Alors qu'est-ce que le câble Blink? Je le branche à mon PC, je branche le câble, le mini USB, je le relie à la caméra. Et sur Streamlabs, OBS ou peu importe sur quoi vous streamez, ça sera votre caméra qui vous filme. Donc ça c'est pour avoir une bête de qualité, ça vous transmet très bien. Là on a mis des mousses, on va continuer à en mettre là. Je sais pas si je fais tout le mur. Au niveau de la déco, je sais que dans mes abonnés il y a pas mal de fans de manga. Moi j'aime trop One Piece, j'ai regardé un petit peu mais j'aime trop Shanks, la Vegeta, Black Goku. Pour ceux qui ont vu le combat. Là derrière c'est une light de chez Elgato. Là on a un sabre d'Uchiwa. Et vous avez vu si Wilson ou quoi il me casse les couilles. Parce que Wilson il est trop fort en vrai. Je le découpe. Bien évidemment c'est une blague. Son Goku, figurine que je kiffe de malade. Donc là c'est du Yu-Gi-Oh, là encore un shaker de chez MyProtein. Le chapeau de Mugiwara no. Là t'as un petit album de Nekfeu. Faut pas trop, je touche le décor. Eh, ça c'est mon coup de cœur, hein. Ah, oh, ça je l'ai acheté 15-20 euros, je pense. Là, t'as une petite figurine de Gogeta Super Saiyan Jin 4. Le petit Tom Naruto, le petit Krilin, le petit Kunai. Là, c'est mon petit côté dueliste, magicien du chaos sombre. Dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, en dessous, on est sur quoi? On est sur que des Goku. Vous avez remarqué, je kiffe Goku, c'est mon perso préféré. Derrière, t'as des posters Dragon Ball, Dragon Ball GT. Ah mais t'as un truc qui est tombé là. Là je sais pas c'est qui m'a posé ce Obélix. Mais oh là je le garde, il est grave frais. Là la Nintendo DS. Ah big up Brahim hein. Avec le petit jeu, bon c'est pas mon préféré. Mais je le kiffe pas mal celui-là. En dessous, on a mis trois petites casquettes prisme. Je les kiffe de malade. Bon, c'est fini un peu pour la déco. Au niveau de la chaise, on l'a pas présenté, mais on la présente plus. La Quersus édition Prisme Gang. Franchement, oh, c'est la meilleure chaise gaming du monde. Là, on tourne encore une fois chez la famille Elgato. Le fond vert, ça c'est incontournable. Bon, je vous mens pas, pour les streams, moi je suis plus vrai décor, etc. Je suis pas trop fond vert. Mais là, je peux me mettre dans n'importe quel décor. C'est super utile pour les miniatures, etc. Là, on est sur une perche. Avec un micro qui n'est pas encore là, mon petit casque. Ça c'est au cas où je dois enregistrer une voix off. Ou si moi et Nono on se met à faire des freestyles et tout. Mais ça c'est pour le délire. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. Bon, bien évidemment, au fur et à mesure des jours et des semaines à venir, je vais ajouter des éléments en décor. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un peu cerné mon délire, ce que j'aime, etc. Qu'est-ce que vous auriez ajouté à ma place. Je lirai tous les commentaires comme d'habitude. J'y réponds pas, hein, mais je lis tout. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Moi, je vous laisse sur ça. Mais avant tout, vous allez avoir des bêtes de séquences sur mon petit setup et tout. À la prochaine, c'était Srambad.
À ce propre.